Shawty want $1 million. Say make a wire wire. Tell me to undercover, my girl. She say all her friends leave me la vida loca. And they found me my love. Yeah, you put there for me. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va, je suis de trop contente, honnêtement, vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et vous savez pas à quel point ça me touche, ça me fait plaisir, droit au cœur, je vous aime. Aujourd'hui donc je fais encore une vidéo pour une perruque, donc là c'est une perruque avec un partenariat, donc bien sûr je vais vous mettre le lien en dessous en barre de description pour savoir quel vendeur c'est, exactement le lien de la perruque. Et je vous dis, bien sûr, je vous donne mon avis et je vais vous expliquer pourquoi je porte cette casquette-là. Allez, c'est parti. Pourquoi j'ai mis cette casquette? Tout simplement parce que j'ai pas travaillé la raie. La raie, elle me dérange. C'est une perruque synthétique. Donc, il y a une raie artificielle, en fait, en haut. Et franchement, elle me dérange. J'ai pas eu le temps de la travailler aussi. Donc, je pense faire une vidéo où j'explique comment retravailler la raie. Voilà, donc c'est la raie que j'aime pas trop, mais bon, comme vous voyez, elle fait très artificielle. Plus avec le spot que j'ai là, ça se voit cash. Je pense que ça se retravaille. Je pense que je vais acheter un tulle couleur chair, couleur ma peau là, marron clair. Et peut-être essayer de le coller, enfin bref, je vais essayer de me débrouiller comme je peux. Parce que pour l'instant, je mettais du fond de teint ou des trucs comme ça. J'ai pas l'impression que ce soit vraiment la bonne solution. Donc cette perruque, c'est un vendeur qui m'a contacté, voilà, moi je suis transparente avec vous, je vous dis tout. Il a bien aimé ma vidéo sur la perruque AliExpress. Franchement je suis contente, j'aime bien, c'est moi qui ai choisi la perruque. J'aime beaucoup ce tie and dye, il est très joli. Après c'est une synthétique longue donc forcément mes doigts, voilà, vous voyez ça coince un peu. Mais elle est vraiment très sympa, elle fait assez naturelle parce que là j'ai le spot dans la tronche. Donc là, elle brille pas mal. Mais sinon, le bordeaux, il est pas hyper vif. C'est ça que j'aime bien. Il est assez discret. Enfin, c'est un beau bordeaux. Voilà. C'est pas le bordeaux un peu dégueulasse, hyper pétard que j'aime pas du tout. C'est un bordeaux tranquille, voilà. Qui est là, qui est posé. Un terrasse tranquille. Il fait de mal à personne. Il est bien le bordeaux. Donc j'adore, il y a de la densité de cheveux, franchement elle est très longue. Bon là j'avoue je ne l'ai pas brossée, ça donne ça. Il faut savoir que les synthétiques raides, certes ça s'en mêle moins que les synthétiques un peu ondulées où là c'est vite la catastrophe nucléaire, mais il faut les brosser tous les jours, voire plusieurs fois par jour. Donc le mieux quand vous portez une synthétique raide, c'est que vous avez tout le temps une brosse dans votre sac à main. Pour les points positifs, la couleur elle est superbe, franchement... Elle me gratte pas la tête. Elle est pas chère, vraiment pas chère. Je crois qu'elle coûte 12 $, 12 €, enfin ça doit faire 11 €, je sais pas. Elle existe aussi en tie and dye blond. Donc voilà, pour celles qui veulent. Moi j'ai hésité avec le blond. Elle existe aussi avec des couleurs un peu plus, comment dire, funky. Moi j'ai pas voulu, je voulais un peu une plus sobre pour une fois. Mais elle existe, je crois, en bleu clair, bleu pastel. Donc un tie and dye qui est un peu plus haut et ça fait bleu pastel. Franchement, j'aurais bien prise aussi. Et voilà, il en a plusieurs en fait. Je sais plus après les autres. Donc il y en a pour tous les goûts. Après, les inconvénients. Donc je vous l'ai dit, moi c'est la raie. Forcément, les raies synthétiques, c'est des raies synthétiques. C'est pour ça que je portais ma petite casquette. Parce que quand je la mets, c'est vrai qu'en ce moment, je mets une casquette. Tant que j'aurai pas retravaillé ma raie, je garderai la casquette. La taille du bonnet, elle est très bien. Très adapté, donc ça je suis assez surprise. J'ajoute un élastique derrière toutes mes perruques. Donc ça c'est quelque chose que je vous conseille de faire parce que je ne mets aucune colle. En fait je sais même pas la mettre. J'ai acheté la Got To Be. J'ai fait un carnage mais n'importe quoi. J'ai pas su la mettre donc j'ai dit j'abandonne. Je les porte sans colle, franchement ça tient toute la journée. J'en mets une tous les jours, je vous ferai la vidéo bientôt. C'est une perruque qui n'est pas synthétique, mais des cheveux naturels. Je mets pas de colle, je la mets pour travailler et tout ça. Je mets pas de colle. Mais je mets par contre un élastique. Donc ça, vous achetez une bande d'élastique, ça coûte franchement rien. Totosol, en tout cas, ça c'est à Nice. Et à Paris, vous avez 300 000 trucs, Tati et tout ça, bref. L'élastique, vous le passez derrière comme ça. Et vous faites la distance qu'il y a à vos oreilles.
et vous le cousez sur la perruque en fait. Et après, ça va permettre de maintenir la perruque. Donc là, je vais retirer ma perruque. Donc c'est pour vous montrer l'intérieur. Donc ça se présente comme ça. À la base, il n'y a pas l'élastique blanc. Voilà, c'est un intérieur vraiment. Il n'y a pas de quoi. Voilà, vous ne pouvez pas travailler de raie. Vous voyez, il n'y a pas. Il n'y a pas de quoi faire. Mais bon, c'est des perruques synthétiques, c'est comme ça. Donc ce que j'ai rajouté, c'est cet élastique blanc. Vous voyez, que j'ai mis sur les deux extrémités. Donc là, vous voyez, la raie, elle est ici. Et j'ai mon élastique blanc qui est là. Donc comme je vous ai dit, pour bien le positionner, vous prenez votre élastique, vous le mettez comme ça. Ça va pas être très pratique, mais bon. Et vous le ramenez à vos oreilles. Et vous le cousez ici, vraiment ici. Faut pas que ce soit trop serré, faut pas que ce soit trop large, sinon ça va pas tenir. Faut que ce soit pile poil à cette distance. Pour mettre la perruque, c'est toujours pareil. On met la tête. On est assis, vraiment, je vais venir le mettre, voilà. Il est là, donc je le mets vraiment au niveau le plus bas possible. Comme ça maintient bien. Et là, j'ai plus de soucis, je vous assure. Ça bouge pas, faut pas vous inquiéter. À part si, bien sûr, il y a un arracheur de perruques. Mais bon, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Ce vendeur est super sympa. N'hésitez pas. Moi, je vous ai dit les points positifs et les points négatifs de cette perruque. Forcément, c'est une synthétique, donc vous ne pouvez pas en demander trop à une synthétique. Voilà, une synthétique reste une synthétique. Elle va s'en mêler. Là, déjà, elle s'en mêler. Parce que je la bouge dans tous les sens. Mais voilà, vous savez que si vous achetez une synthétique et vous la mettez dehors, il faut vous balader avec une brosse tout le temps. C'est la seule chose, voilà, dont vous avez besoin, c'est d'une brosse. Je vais vous faire mon petit tour habituel 360. Comme ça, vous allez voir aussi derrière. Voulez-vous danser? M'accorder le plaisir de vous tenir contre moi. Elle perd pas mal ses cheveux, mais ça c'est les synthétiques raides. Faut pas se leurrer, les synthétiques raides perdent beaucoup leurs cheveux. Voilà, elle a pas plus de défauts qu'une autre. Et elle est très sympa. Donc si vous voulez commencer avec une synthétique pour vous habituer, je vous recommande ce vendeur. J'espère que ça vous plaît, le fait que j'ai acheté ma lumière et que du coup on me voit tout simplement parce que là je peux tourner de nuit, c'est vraiment plus pratique pour moi. J'espère que ma vidéo vous a permis de faire votre choix si vous hésitiez à acheter cette perruque ou si vous la vouliez. Voilà, dites-moi dans les commentaires, abonnez-vous s'il vous plaît, abonnez-vous. Franchement, vous imaginez pas comme ça me touche vos messages. Comme ça me fait plaisir, comme ça me donne envie de continuer. Il y a des partenariats qui commencent, c'est génial. Donc s'il vous plaît, continuez à liker, continuez à vous abonner, à laisser vos commentaires. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir. Bien sûr, je réponds à tous les commentaires. Et si vous avez des questions, quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à m'envoyer des messages, je suis disponible. Suivez-moi sur les réseaux, sur Instagram. Je publie voilà tout le temps mes nouvelles perruques en avant, première. Donc si vous voulez les liens et tout ça, je vous les envoie, il n'y a pas de souci. Ou si vous avez des idées de perruques, des perruques qui sont super sympas à me conseiller, franchement je suis preneuse. J'attends vos messages. Sur ce, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis vraiment à la prochaine vidéo, j'essaierai de la faire très vite. Franchement, prenez soin de vous. Mouah.